Salut à toutes, salut à tous, c'est Neko422 et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre playthrough sur Death of Xillia. Allez, sans plus tarder, on charge la partie, c'est parti. Alors, on était arrêté au Havre d'Aladi, c'est ça. Et je crois qu'on devait trouver un travail, me semble. C'était ça l'objectif. This was surging with mana when they activated their so-called Lance of Kresnik. So this must be the key they used to arm it. Do you want something? Whoa, hold your fire. I come in peace. Can't a mercenary have a friendly chat with his clients? That much is fine. But when you want to chat, you needn't hold your breath and sneak up behind me. Sheesh. You make me sound so unsavory. Do you berate poor Jude like this too? I don't intend to berate anyone. That was never my intention. Do try to be gentle with him. Boys can be so vulnerable. That's a surprisingly tender sentiment. That's what it says on my business card. The mercenary with a heart of gold. Those are good words to live by. Although, with a motto like that, I can't imagine you'd live very long. Not the type to sugarcoat things, are you? So these ships have spirits channeled into their sails to intensify the winds they catch. What a clever idea. Human spirit arts can be very impressive. Okay. Let's see. What are you up to? Just trying to organize all of my notes for my thesis. Those in the books at a time like this? You sure are studious. Yeah, probably a waste of time. I'm sure I've already been expelled being an X-marked criminal and all. Ah, cheer up, kid. If I get a chance, I'll testify to the military and the school on your behalf. Shouldn't be hard to make the case that you're just a poor kid who got sucked into this. Thanks. But aren't you a wanted criminal too? Ah, that. I guess I did flee along with you. So if we get captured, I'll testify for you. I'll tell them that you're nowhere near as shady as you look. I'll take it as a compliment. Ouais, si tu veux, prends-le comme un compliment. Bon, bref. Ah, bah... Magasin d'armes, ça m'intéresse. Alors, l'option développement de magasin était bloquée. Ces options, vous pouvez donner des matériaux. Ok. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Mais des matériaux et des gardes au magasin afin de développer leur propre article. Pour ce faire, c'est ok. Dire que vous développez les magasins, vous accumulez des points lorsque vous en aurez acquis. Ah, c'est bien, ça. Vous pourrez gagner des points nécessaires à l'augmentation de niveau. Matériaux, gardes, acheter des objets, magasin. Ok. Ok. Ça marche. Eh bien, on va le développer, ton magasin. J'ai développé le magasin d'armes. Matériaux. Hop. Hop. Non. Là. Et comme ça, tu level up. Gantelet d'acier. Bien. D'armure maintenant. Level up. Plastron lamellaire. Cool. Accessoires et alimentation. Ça, je pense que ça doit être pour les plats. Ça va être comme d'habitude. Et objet, vas-y, on va développer un peu. Que je pourrais rien faire de plus. Bon, stop. Acheter. Alors, information. 89 d'attaque, attaque. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Ah, je suis déjà équipé avec. Toi. Rapière, t'es déjà équipé. Épée large. Et il est déjà équipé. Mais tu vas prendre des gantelets d'acier. Oui. 103 points. Ok. Ça, je peux pas encore. Ça, je peux pas encore. Ok. Bottes et j'ai pas assez pour une cape. Flûte.
Bon, tant pis. Ah! Bon, tant pis, t'auras pas de cap. Ça suffit, c'est bon. Ouais, j'aime bien ce système d'augmenter avec les matériaux que tu récupères. La boutique, ça te permet d'avoir des objets un peu plus puissants, etc. C'est bien, je trouve c'est ingénieux comme système. Bon, bref. Donc, l'objectif c'est de trouver un boulot. Ok. Attends, t'as quoi en magasin d'objets? Tout ça c'est plus tard, bon, rien de spécial. Je dirais qu'il faut aller par là. Mince, c'est pas par là. Ça doit être sur le port. The sea air is making me feel unpleasant. Attends, il y a un truc qui brille. Hein. Et hop, sans or. Ah. Elle a une quête. Hey there. You've got a request, right? How about letting us handle it? Oh, you're mercenaries. Oh, perfect timing. What kind of request? Someone's got a problem with monsters, and we get paid to solve their problem. Oh. So by taking on these jobs, you get the reward and I get the practice. Right. Everybody wins. Well, except the monsters. Okay, hit us with the details. Some monsters we've never seen before are lurking near a lake west of the Sea Haven. A lot of people depend on that lake for water, so those monsters have become a real nuisance. I'm looking for someone to exterminate the beasts. What's the reward? Cash, of course. You heard the woman. Thoughts? Sounds fine to me. Fighting monsters will be good training. Excellent. Now these beasts are no pushovers, so please watch yourselves. About your sword training. The monsters aren't just going to stand there like training dummies, you know? We should go over some basics first. I appreciate it. Ready your sword. Well, that'll do. You have my gratitude. Shall we go? Wait, Jude. Take a moment to consider your situation. You don't have to stay with me anymore, you know. Right. Now that we've crossed the border, it'll be a while before any pursuers from Rashugal get here. What are you suggesting? Just that he still has some time to think things over. Sorry, I'll make up my mind by the time you set off. Okay, very well. Let's go and complete that request. You thought you were doing the right thing. Now you're on the run. That's a pretty tough lesson for a kid your age. Yeah. But I brought it upon myself. Ok, éliminer la menace du lac ouest. Chemin à Lydie. Donc ça doit être par là. Aussi, pour information, grosse déception, je ne peux pas mettre les voix en japonais. C'est anglais uniquement. Donc j'en suis désolé. My lilium orb is shining. Mine too. Wait, you two have orbs too? Great. We should try linked combat. What's that? Lilium orbs are handy things. They let you sense your companion's intent. That's a huge advantage in battle.
You can coordinate your thoughts to pull off combination attacks. We call this linking. Sounds great, but how do we do it? Try it and see for yourself. Focus your consciousness into the Lilium Orb. Oui. Try linking up. Ah d'accord. Ok. Appuyez sur la direction de l'élite avec laquelle vous voulez. Appuyez sur la direction de votre personnage pour rompre la liaison. Ok, it's time to flank them. It's over. D'accord. It's like I can sense what Mila is going to do. Oh, oh, Mila! Hey, watch your back. I'll help. Ah, d'accord. Si un ennemi s'approche de vous par derrière, votre partenaire réagira. C'est utile. Je vais votre partenaire vous soignera si un ennemi vous projette dans les airs. Ça, c'est bien ça. I think you're ready to learn some linked arts. Ah, c'est ça la jauge, d'accord. Ça remplace la jauge d'ailette de Taste of Gracef, quoi. Ouais, mais c'est R2. Hein. Ah. Ce n'est qu'en utilisant un artillerie que le jeu peut passer en séquence suivante. D'accord. Oh merde. Victory born from cooperation and friendship. Not bad, right? Yes, I quite like it. I feel much better knowing I'm not fighting alone. Right there with you, buddy. Ok. Base de la liaison 3. Pendant une liaison, les partenaires coopèrent pour encercler un adversaire protégé. Faire avoir un partenaire permet de réussir plus à un coup critique et d'être mieux protégé dans les coups critiques ennemis. Ok. Intéressant, ce truc de la liaison, ouais. Je mène à midi. Mérite une petite sauvegarde, ça. Voilà. Et ben on va se faire de l'expérience. Tiens, bouffe du feu. Voilà. No wonder you pack quite a punch. I thanks. Alright, not bad. Ah, t'as level up, toi, c'est intéressant. Du coup, c'est parti, Orbe de Lys. Appuyez sur Select pour utiliser la navigation automatique. Ah oui, c'est vrai. Non. Ça ne m'intéresse pas. Alors. Note. Bof. Ouais. Mince. Ça... Ah. Voilà. 3, 2... Non. Bof. Là. Ouais mais non. Non, non. 2, 1, pfff, fais chier.
Attends. 70. Là. Gain temporaire, récupération par niveau plus. Cool. Je regarderai c'est. Et je crois qu'il est. Ouais, c'est bon, je peux plus serrer. Alors attends, maintenant, capacité. Les capacités marquées d'un affect également les portes vernis, attribuées judicieusement, profiter. Ok. Mince. Permet d'obtenir les coins PC5. Récupération par niveau plus. Permet l'ensemble des PV. Oh, ça c'est bien ça. Je prends. J'ai pas mis. Donc là j'ai mis. Ok. Tu mets ça et tu mets ça. Voilà, merci. Ok. Et c'est bon. Next combat. Don't get killed. Ouf, ce qu'il a pris. Hey, je drop pas mal. C'est bien, ça m'intéresse. C'est bon en tout cas. Bah oui. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Tu vas te calmer, oui? Alors, à gauche... Wait. C'est vachement vaste. Stop te défendre. Eh bah punaise, j'augmente très vite de niveau. Je vais encore up. Je sais pas si je dois passer à gauche. On va y passer. Watch out de quoi? Ah merde, ce qu'ils prennent dans la gueule, Jude. No wonder you pack quite a punch. Attaque normale et chaîne d'art. Lorsque vous utilisez une art, un art après une attaque normale, porte. D'accord. Intéressant, merci de l'info. Ok, à l'ouest, donc bah, c'est par là. Couché, sale bête. Au revoir. Level up. Excellent.
Et lui aussi. C'est bon ça. Wow. Ah oui, quand même. Qui prennent dans la gueule. Attends, c'est quoi ça? Ce vase là. Y'a rien. Et là, y'a quoi? Y'a un coffre, je crois. Y'a un coffre. Par ici, la bébête. Eh ouais, here we go again, exactement. On arrive. The likes of you will not stop me. You're starting to look pretty good with that blade. Oh ho! 600 or. Pas mal. Donc on va aller vers l'ouest, donc par là je pense. Et encore plus d'ennemis, c'est génial. On va avancer un peu dans l'histoire. Je pense que les combats je les ferai, enfin certains je vais les faire en off. Je vais pas faire que des combats. Ça me plaît, il y a plein d'ennemis. Je vais pouvoir me faire un paquet d'expérience. Un coffre. Safran. Donc ça, je pense, je crois que c'est pour augmenter les caractéristiques. Pas du tout si je suis dans la bonne direction. Ah bon, c'est pas grave. Et tu crois faire quoi, toi? This is the power of Maxwell. Raté. There. Those must be the monsters we're supposed to get rid of. Indeed. They certainly don't look like the normal fauna for this area. All right, let's get the job done. C'est quoi? Battez-vous pendant une liaison, remplissez complètement la jauge d'artillerie, d'accord. Il faut les 5 segments de la jauge d'artillerie remplis, utiliser un artillerie pour passer en mode saturation. Ah ouais, quand même. C'est quoi ça? Utiliser un artillerie pour passer en mode saturation. Mince. Attends, il faut que j'appuie sur R2, je crois. Waouh! Ah ouais! En mode saturation, votre... Ne vacillez pas et vous pouvez lancer les artilleries à volonté. Oh! Ça s'est craqué! Waouh! C'est craqué! Ah ouais, suivant une limite de temps, bien sûr. Merci.
Not bad. Ok. You okay? I can't complain. No better training than an actual battle. You got that right. Let's head back to Aladi Sea Haven and make a report. Des bottes. Ah. Tu prends. Et tu prends. Voilà. Et wait, j'ai fait oublier. Alors, quoi ça? Endurance augmente les PV de 5%. Récupération par niveau plus, ça m'intéresse. Déjà, endurance, très bien. Voilà. Ensuite, toi. Eh ben on va faire pareil. Voilà. Toi, tu commences à m'énerver. Here we go. Let's go. Man, are we good or what? Yeah. Ouch, the cold shoulder. All right, not bad. Cool. Je vais aimer cette région. Je vais farm comme un porc. Ça va bien m'intéresser ça. Par contre, pour retrouver ton chemin, c'est un peu chaud. Des capacités marquées s'applique aussi par ta... Ah, c'est capacité liée, d'accord. C'est bien ça. Je ne savais pas. Merci de l'info. Je suis déjà full, non, tu te fous de moi. Ah bon, je suis déjà full, ok. Mais ça c'est nouveau ça. Pourquoi pas. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder.
Voilà, sauvegardons. Je vais aller terminer cette quête. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2. Those monsters won't be tinkling in your water supply anymore. Wonderful. Thank you for your help. And that's how it's done. More where that came from too. Lots of people with problems out there. And gall to make them go away. You're a real pro at this, Alvin. Hey! No fever. How are you feeling? I don't seem to have any strength. Have you been eating properly? I've never eaten. Ever? Through Sylph, I drew life from the air. With Undine's power, I received sustenance from the water. What's she talking about? I guess the spirits gave her all the energy she needed. Well, now you're gonna have to nourish yourself the old-fashioned way. I see. So this is what you call hunger. Fascinating. So, should we rest at the inn? Now that you mention it, I could use some grub myself. Le système objet auto est verrouillé. Personnage en mode de contrôle auto utilisant les objets au combat pour soutenir son. D'accord. Ah, ça c'est bien ça. Donc si jamais j'ai des. Je suis en. Enfin, si j'ai des. Les PV qui sont en critique, ils vont me soigner logiquement avec une gelée de pommes ou autre. Et si je suis mort, logiquement ils utiliseraient une fiole de résurrection. Ça c'est utile. Bien! Ah bah ça c'est fait. Obtenu 2000 or. Bien, bien. Bon. Eh ben on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vais continuer je vais drop des objets, je vais aller bien combattre des monstres, je vais aller bien EXP les personnages pour qu'on soit bien abusé dès le départ. Et puis voilà, et puis je vais aussi augmenter un peu les magasins de niveau, parce que c'est important d'avoir des équipements un peu plus solides dès le début de l'aventure, je pense. Et puis voilà, et puis on continuera l'aventure très très vite, ne vous en faites pas dans la semaine. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.